Quoi ? Testons-le ! Et le moment de vérité ? Nous y voilà ! Pas possible ! Allez, regarde ça ! Donc on peut dire officiellement que ça marche ! Super ! Problème ? Super. Super. Oh là là, on doit absolument le tester. D'accord. Quoi? Est-ce qu'on peut la fermer? Incroyable. Je vais essayer là-bas. Ça marche! Tu vois, il n'y a personne à l'intérieur. Nom d'un chien! Testons-le! Ça ne fonctionne pas. Oh là là, on doit absolument le tester. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? C'est parti. J'espère que c'est bien mis. Et maintenant, on attend. Alors, c'est sec. Et le moment de vérité? D'accord, ça a fonctionné, en quelque sorte. Mais la partie intérieure n'est pas peinte. Alors, dis-moi dans les commentaires si j'ai fait quelque chose de mal. On va le tester. C'est parti. Oh la vache! D'accord. Très bien. Et maintenant, on attend. D'accord, voyons ce que ça donne. Et le moment de vérité? Ça a plutôt bien fonctionné. On l'a connecté à une source d'eau. C'est parti. Test final. On met de la pression. Alors, il y a une petite fuite ici. Ça a en quelque sorte fonctionné. Tu peux nous dire dans les commentaires si tu l'utiliserais ou pas. Oh là là, on doit absolument le tester. On a fabriqué cet engin, et donc, on va l'essayer. Regardez ça. Alors, j'ai connu plus pratique, mais ça fonctionne vraiment. Pas mal. Thank you.
Pas mal. Un avocat. Testons-le. Alors, les amis, ça a plus ou moins marché, mais ça n'en vaut pas la peine. Avocat. Allez, on le teste. Ça fonctionne! Ce gabarit d'assemblage avec sevillage auto-serrant est incroyable. Voici notre outil et allons le tester! C'est parti! Donc, le gadget fonctionne! Voici notre gadget. On va faire un essai. Regardez ça. La sécurité avant tout. Regardez ça. Ça fonctionne vraiment. Pour être honnête, je l'ai fait avec ce bois-ci. Mais c'est pareil. On va le tester avec du mobilier. C'est parti. Et vous pouvez fabriquer vos propres meubles. Regardez. Ça fonctionne à merveille. Oh la vache, je suis même pas sûr que ce soit légal. Eh bien, c'est mon gadget, alors on va le tester. D'accord. Ok. Donc, on doit d'abord le placer comme ça. Ok. Ferme-le maintenant. Et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Cette partie est délicate. T'as raison, donc je vais essayer de l'ouvrir. Oh. Bon. Et maintenant, on gonfle ce ballon. Vas-y, Archie. Ouh. Ouais, pas possible. Regarde. Mais est-ce qu'on peut retirer ça? Eh bien, voyons voir. Mais mon Dieu, on dirait que ça fonctionne. Essayons. Peut-être qu'on a cassé cette chose. Attends. Plaçons-le ailleurs. Tout comme ça, je suppose. J'ai peur que ce ballon n'explose. J'ai peur que tout ce gadget n'explose. Ok. Je peux le déplacer. Oh. D'accord. Oh non. Voici ton gadget. Gadget vaincu. Ne faites pas confiance à votre voiture avec ce gadget. C'est pas sécuritaire. Poubelle. Voici notre ruban adhésif et notre bosse. Alors, testons ça. Essayons ça. D'abord, on essuie. D'accord, allons-y. Maintenant, on doit fabriquer des poignées. T'es prête? Allez, vas-y. Alors, ça n'a pas marché avec ça. On va donc essayer avec ça. Ok, allons-y. 1, 2, 3, allez. Non. Non, c'est totalement bidon. N'y croyez pas. C'est ce que vous voyez en ligne. À bientôt.
Alors, nettoyons donc notre volant en utilisant de la vaseline et du WD-40. D'accord, je pense qu'on a assez de vaseline. Il est temps d'utiliser du WD-40. Et maintenant, notre volant devrait avoir l'air comme neuf. Allons-y. Eh bien, il brille. Il semble beaucoup plus propre qu'avant et il est extrêmement doux. Je le recommanderais certainement, oui. C'est un peu glissant, donc je ne le recommanderais pas ici. Peut-être principalement au centre. Faites-moi savoir ce que vous pensez de cette astuce dans les commentaires ci-dessous. Et qu'est-ce que vous voudriez que j'essaie d'autre? Moi, j'aime bien. Dentifrice, tissu, abrasif. Alors, testons si ça fonctionne vraiment. Allons-y. C'est propre! Mon Dieu, ça marche! En utilisant simplement un dentifrice et un chiffon, vous pouvez nettoyer votre voiture des éraflures. Incroyable! Nom d'un chien, voici le gadget. Donc, testons-le. Plaçons-le. Allons-y. Wow, regarde ça! Ça fonctionne vraiment! Maintenant, conduisons avec ça! Alors, je suis allé sur l'autoroute et ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais quel est le problème? Quand je souffle dessus, ça montre plutôt de bons résultats. Quoi qu'il en soit, faites-moi savoir dans les commentaires si j'ai mal fait quelque chose. Mais pour l'instant, c'est une mémerde.